Souvent, les filles ici, tu dois faire rester à la maison. On fait ce que notre religion nous demande. On ne va pas la dépasser. Maintenant, ça commence à changer beaucoup par rapport à avant. Les filles peuvent battre et de faire tout ce qu'elles veulent dans la vie et surtout à par rapport dans les sports. Et... La fin, je l'explique, il faut avoir confiance en toi-même et de ne pas avoir peur et se faire. De serait les futurs champions du Sénégal. Je m'appelle Hadju Sam. Je suis la première fille qui surfe ici. Je me suis grandie entre le village et l'île d'Angor. Angor, ici, on est des Lébou. Et les Lébou, c'est les personnes qui habitent à côté de la mer. Ils connaissent beaucoup à côté de la mer. Tu peux pêcher, tu peux nager, tu peux surfer. Au Sénégal, le sport, c'est beaucoup de personnes qui font le sport. Il y a des entraînements. On a beaucoup de choses traditionnelles ici. Si tu es une fille, pour faire de l'esport, ça va être un peu compliqué. Mais quand j'étais un peu jeune, j'ai pas vu beaucoup de noires filles qui surfent. Tout le temps, je prends mon kayak, je restais à côté des personnes qui surfent. Puis j'ai dit, mais pourquoi pas, je n'allais pas surfer pour représenter mon pays en tant que Sénégalaise, en tant que noire, pour aller surfer. Et mes parents ne voulaient pas que je sorte à la maison. La religion, c'est à côté, les sports, c'est à côté. Donc on ne mélange pas les choses. Si tu ne pars pas à l'école, tu dois gérer la maison, préparer les choses, à manger, tout ça, ou bien avoir une mari. Et nos parents disent non, il ne faut pas aller surfer. Donc je porte les habits sénégalais et je saute sur, dans la fenêtre. Et après, quand je sors, dors, j'enlève tous mes habits et je porte mon sort. Chaque fois qu'on le voit, ou bien quelqu'un de notre famille, on le voit, on sort dans l'eau jusqu'à qu'il parte, on court et après on rentre encore. Et chaque fois qu'il vient, il nous donne des tartes ou bien le zif. Ma grand-mère, c'était elle la première sportive. Quand je lui disais que je vais surfer, j'ai eu des petits problèmes, il m'a dit va surfer, il n'y a personne qui va te toucher. Je me suis continué. Au moment, j'ai dit, laisse-moi aller surfer parce que, en ce moment-là, petit à petit, ça commence à changer avec ma famille, mes Odoubi. Donner beaucoup de confiance et de courage parce que c'est ça que j'aime, c'est mon espoir. On dit qu'on aime, on doit continuer jusqu'à que tu aies ce que tu veux sur le surf. Première fois que tu te lèves sur la planche, c'est comme si que tu as le monde dans tes mains. Parce que tu oublies tous les problèmes.
C'est comme si que j'habite dans un autre monde. C'est comme si que la mer, c'est ma deuxième famille. Les vagues, c'est ma meilleure amie. Et la plante, c'est ma meilleure copine. C'est quelque chose que tu sentis vite fait dans ton corps et dans ton cœur. That's the stance right there. You come up on that top of that wave like that. Push back a little bit more. You know how you are. You solid on that. you solid on that, but you know, yeah. Put a little freedom in that. Yeah, that's your eagle wings, man. My name is Rhonda Harper, and I'm from San Jose, California. Black Girls Surf is a training camp for girls and women who want to compete in professional surfing. We started because the lack of representation in the surf industry and professional surfing. So we started looking for girls all over Africa, all over the diaspora. And we found a surf club in West Africa, and there was an African woman walking around with a surfboard, and I immediately contacted the surf club and asked them, who is this person? And they told me that it was Haji Som. And so here I am in Senegal. Elle a beaucoup changé dans ma vie, Rhonda, et c'est elle qui commence à me pousser d'avoir beaucoup de confiance. Elle m'expliquait et voulait m'aider tout ça aux États-Unis pour venir m'entraîner. Black Girl Surf is an international camp now. We started out with just one camp, now we're international. So I invited Hanju to come to California to train with me. Anybody that had enough inside of them to want something so bad that they would get on a plane, not speak English or any of the native languages, without a dime in their pocket. That's how she came. She wanted that. J'avais pas vraiment confiance en moi-même et j'avais un peu peur parce que je connais pas vraiment là-bas. On se réveille vers 5 heures du matin. On part surfer là-bas, on s'entraîne. Et on reste 3 heures de temps ou 4 heures de temps dans l'eau et après. Mais là-bas, c'était un peu difficile pour moi et je ne connais pas beaucoup les personnes et ce n'est pas mon pays aussi. Surfing in Santa Cruz for Haju, at first, was a little bit difficult. Santa Cruz is a predominantly white city and it's super aggressive. The men are super aggressive, right? So she's in the water and she doesn't speak English. So people are dropping in on her and they're yelling at her. But she got to Santa Cruz and surfed equal and better than most of the guys. By the time she left, she had earned her stripes. Ça m'a beaucoup changé. Beaucoup, beaucoup. Ça me fait sentir bien parce que c'est comme si que je fais quelque chose pour mes personnes. Et on ne va pas rester là et je vais continuer à prouver pour mes personnes. Quand j'étais aux États-Unis et je me suis revenue ici, oui, je me concentre bien dans le surf par rapport à avant. Le plan, c'était d'aller faire la compétition, d'être un pro surfeur et commencer à aider aussi les enfants. C'est très important pour moi de commencer à donner d'autres filles, avoir plus de filles au Sénégal. Position normale. Quand je leur donne des leçons, on fait les entraînements avant d'entrer dans l'eau. On accélère. Pose take-off. On fait l'échauffement. On va être tout le monde content, se taquiner de là.
position ni xolam fi da ka def ni toujours n'importe quelle fille peut surfer aussi n'importe quelle soit la taille soit la longueur la largeur les filles peuvent faire n'importe quoi. She wanted to prove herself. She didn't only just prove it to herself, but she proved it to her family, who doubted even that as a career, right? To the men here, who doubted that she was able to do what she's able to do. So anybody that has a heart like that, you have to invest in. Pour moi, c'est très important être la première fille qui surfe au Sénégal debout. Parce que je représente tout le Sénégal, je représente toute l'Afrique et je représente partout dans le monde en tant que noire, une fille. Je représente les filles et se battre pour les filles qui pensent qu'ils ne peuvent pas surfer ou bien qui pensent qu'ils ne peuvent pas faire rien du tout. Le surf a beaucoup changé ma vie. Jusqu'à présent, maintenant, je suis ici. Ça me donne beaucoup de courage aussi de continuer. Je ne sais pas quoi dire. I just wanted to say, like, thank you for everybody.